Nous sommes très contents aujourd'hui sur Radio Val d'Isère de vous parler du premier opus de Classique Aval de l'opus 2 janvier. On en parle avec la directrice artistique Annelise Gastaldi. Bonjour. Bonjour Valentin. Ravi de vous retrouver dans les studios de Radio Val d'Isère et de vous retrouver à Val. Ah oui, plus que ravi. C'est un rituel et c'est un... notre cœur, à chaque fois, attend janvier. Voilà. Les hirondelles ramènent le printemps, mais janvier ramène Val d'Isère. Et janvier ramène aussi Classique Aval et vos musiciens, puisque ce sont toujours plus ou moins les mêmes qui reviennent. Un noyau dur, un noyau de fidèles, presque la famille, hein, qui revient à chaque fois pour l'opus de janvier. C'est vrai. Et on fonctionne autour d'un groupe de musiciens qui est une constante, je dirais, et autour la satellisation des autres musiciens, si j'ose dire. Ce sont des personnes qui changent chaque année. Donc, et dans les musiciens, d'ailleurs, qui font partie de ce noyau dur dont vous parliez, il y a aussi, je pense à Virginie Buscaille qui était avec moi déjà ici en 92 quand même. Donc, vous voyez, elle était étudiante, on était étudiante à l'époque et on venait déjà. Et c'est tout ce chemin parcouru dans le temps, dans cette station, ça compte. Ça fait partie de l'aventure. Volker Stöd aussi qui était venu l'année dernière. Il est venu l'année dernière. Volker Stöd, c'est une chance parce que c'est donc, comme vous le savez, le violon solo du philharmoniqueur de Vienne, de l'orchestre philharmonique de Vienne. C'est quelqu'un de un violoniste fantastique qui vient avec son Stradivarius à Val d'Isère. Et on a beaucoup de chance de l'avoir une deuxième année, enfin, qui fasse partie de notre paysage. Un grand violoniste. Et puis cette année aussi, quand même, deux petits nouveaux hein, qui viennent pour du piano et pour du marimba, on en parlera dans un instant. Présentez-nous ces musiciens. Alors, Val d'Isère, de tout temps, hein, donc je vous parlais de 92. En 92, vous savez, moi j'étais étudiante, hein, vous en doutez. Moi, je n'étais pas tout à fait née. Et je m'en doute aussi. Donc, c'était un festival qui recevait des jeunes artistes, des jeunes musiciens, qui étaient des talents un peu en herbe. Et c'est très important qu'il y ait toujours dans notre équipe des jeunes artistes. Et cette année, particulièrement jeune, avec donc Bastien Lafosse, qui est percussionniste, qui est en train de faire ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et puis Arthurine Winkel, qui l'a terminé, qui doit avoir aussi une vingtaine d'années, hein, et qui est déjà à la Fondation Polignac, enfin qui est un artiste extraordinaire, deux jeunes extraordinaires, et qui viennent pour la première fois ici, au festival et dans la station. Alors, un programme très complet hein, qui commence dès mardi soir avec bien trois concerts en l'église. Le concert de mardi, Beethoven du printemps à l'Archiduc. Oui, deux grandes œuvres. On a déjà eu le printemps il y a très longtemps à Val d'Isère. Et cette sonate, le printemps, c'est un, comme on dit un peu vulgairement, des tubes de la musique classique. Donc, cette sonate, on la réentend toujours avec bonheur. Et puis, le grand trio qui est l'Archiduc, une grande œuvre du répertoire musique de chambre. Une œuvre de 43 minutes qui est extraordinaire, pleine de vitalité, d'élan. Donc, Beethoven à l'honneur pour le premier concert. Et avec le trio Georges Sand et puis avec Volker Stöd aussi, également. Et le mercredi, honneur au marimba, un nouvel instrument qu'on a rarement l'occasion d'entendre dans l'église de Val d'Isère. Parlez-nous de ce concert et parlez-nous aussi du marimba un petit peu. Alors, le marimba, je laisserai Bastien vous en parler mieux que moi parce que c'est un instrument, évidemment un instrument de percussion, mais il va jouer avec des doubles baguettes. Enfin, c'est un instrument assez extraordinaire et effectivement, je pense qu'on peut dire que c'est la première fois dans l'histoire de Classique Aval et même à Val d'Isère qu'il y a un marimba qui est monté à la station, un immense instrument de 2,5 m, presque 2,50 m. C'est ça, parce que déjà faire monter un piano c'est compliqué, mais un marimba c'est encore plus compliqué. Ah oui, c'est encore plus compliqué parce que le marimba. Et donc, c'était proposé une nouvelle sonorité, cette sonorité magique du marimba dans cette église qui a une acoustique magique, on peut le dire. Et il m'a semblé, tout d'un coup, je me suis dit, mais tiens, quel instrument n'est encore jamais venu et aurait sa place et dont la sonorité apporterait quelque chose dans cette église de nouveau et de presque poétique et d'un peu insolite en même temps. Hein. Voilà, le marimba,
sera présent avec un répertoire extrêmement éclectique, puisqu'on entendra du Jean-Sébastien Bach, hein, c'est un instrument sur lequel on peut jouer des tas de transcriptions. Ah oui, instrument... c'est ça, parce que c'est forcément transcrit, Jean-Sébastien Bach n'a pas écrit Non. Instrument polyphonique, le marimba, hein, donc, qui peut jouer des parties de piano, c'est quand même assez incroyable. Et il faut une dextérité du poignet, enfin voilà, c'est un instrument très complexe, mais... À mon avis, ça va être un très beau moment et quelque chose de très nouveau. Et puis, il y aura aussi du Cardozo, il y aura des compositeurs Piazzolla, il y aura des choses très différentes à ce concert, un concert très éclectique. Toujours trois concerts très différents. Je fais toujours très attention à des thématiques pour les trois concerts qui soient très différentes pour qu'on ait un panel d'œuvres et d'émotions très diverses pendant le festival. Et puis justement, le troisième concert, là par contre, c'est une constante hein, pour cet opus de janvier, toujours un récital de piano. Récital de piano, comme on les aime, et avec un jeune artiste aussi, un jeune pianiste extraordinaire, Arthur Inwinkel, qui va jouer du Schumann, du Beethoven et du Haydn. Voilà. Un récital, donc c'est une partie solo, il sera tout seul. Hein. Tout seul, c'est forcément voilà. Un moment un petit peu plus peut-être difficile pour un artiste d'être seul et de ne pas être accompagné. Le piano, le récital de piano, c'est vraiment quelque chose de... C'est un mythe parce que voilà, c'est né en quelque sorte, sans doute avec Beethoven, mais avec Liszt. Hein, le moment où l'artiste est seul sur scène avec son instrument et pendant... une heure, les concerts font environ une heure, les concerts de classique aval, qui proposent ce répertoire hors norme qui est le répertoire pour piano. Et effectivement, il y a aussi cet aspect du jouer par cœur, qui ajoute probablement, même sûrement, pour l'artiste, un double salto, hein, parce que jouer par cœur, bah, c'est sans filer, quoi, on n'a pas la partition, mais en même temps, c'est le principe du récital. Même si de plus en plus, on entend des grands pianistes qui jouent avec partition. Richter, le grand pianiste Richter, jouait avec partition pour des récitals. Mais Arthur fera son récital, évidemment, de mémoire, et ce sera un très bon moment. Justement, vu que vous parlez des partitions, c'est une question que je vous ai, je crois, déjà posée il y a quelques années. J'imagine que les œuvres que vous jouez, vous devez les connaître par cœur, oui, puisque vous les jouez absolument à la perfection. Alors pourquoi avoir besoin d'une partition? Parce que quand on joue à plusieurs, c'est toujours rassurant d'avoir la partie des autres sous les yeux. Et que ça permet, en cas d'avoir ce repère de qu'est-ce que jouent les autres, même si on sait aussi absolument ce que jouent les autres. Mais c'est une convention. Musique de chambre, on joue très rarement par cœur. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et avoir la partition des autres, ce partage de la partition, du score, sous les yeux, on appelle ça un score, c'est une tradition et c'est important. Voilà pour ces trois concerts en l'église, mais Classique Aval, évidemment, c'est beaucoup plus large que ça, avec aussi de nombreux off tout au long de cette semaine, et notamment le Piano des Neiges qui revient hein, cet hiver. Ah oui, le Piano des Neiges, ça aussi, il fait partie un peu au milieu des sapins, il a sa place, et donc Marc Meyer qui est extraordinaire, moi je me demande chaque année comment il fait pour jouer si bien avec les doigts froids, parce que quand même, en plus on annonce des températures quand même relativement basses, qu'est-ce qui va comment il fait pour arriver à assurer ses parties, sa partie instrumentale par ce froid, et puis c'est un moment de convivialité, ce piano qui est sur le front de neige toute la journée, c'est extraordinaire. On a aussi le mardi, je crois que c'est à 14h, un concert caritatif. Et là, c'est surtout pour les enfants, et notamment les enfants de l'école primaire. Oui, c'est toujours un moment d'émotion, parce qu'il y a toute cette école primaire qui arrive et qui découvre. Alors là, ils vont découvrir le marimba. Je pense qu'il y en a très peu qui connaissent cet instrument. Et il y a un moment qui leur est consacré, où les musiciens de Val d'Isère leur présentent les œuvres. Il y a même un petit conte qui a été écrit par un des musiciens, par écrit Claude Di Benedetto. Pour Aval, absolument, hein. Écrit spécialement pour Classique Aval, par Claude Di Benedetto, le guitariste, et qui, un petit conte où chaque instrument a sa place, et c'est un moment de découverte, de partage, c'est un moment de ricochet, d'échange entre les musiciens et les enfants, et c'est toujours beaucoup d'émotions.
parce que les enfants ont cette spontanéité, ils ont cette naïveté quelquefois, et puis leur regard d'enfant et d'émerveillement devant la musique, les instruments, dans cette église qui est si belle, c'est toujours un beau moment. Et c'est au profit de l'association Petit Prince. Et c'est très important parce que ça apporte quelque chose, ce qu'on va récolter avec la vente des cartes de vœux dessiné par les enfants de l'école primaire, c'est donné pour les enfants qui ont des problèmes de santé actuellement et pour cette belle association qui fait tant pour eux, qui s'appelle Petit Prince. Et puis enfin, dernier off, le mercredi, on va mélanger deux arts, hein, la musique et la cuisine, chez notre ami Benoît Vidal. Oui, ça c'est aussi quelque chose c'est la première fois, ça a eu lieu l'année dernière. Oui. Et ça a été un succès. J'ai été très impressionnée de voir à quel point je le savais, parce que je suis très... j'aime beaucoup la grande cuisine, puisque c'est ce que propose Benoît Vidal. Hein. C'est un immense chef, parce qu'il est étoilé doublement. Deux étoiles Michelin. C'est extraordinaire, il y en a peu. Donc, marier la musique, l'art culinaire avec l'art, l'art musical, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et l'année dernière, j'ai été étonnée de voir à quel point ça fonctionnait bien et à quel point les personnes qui venaient déjeuner dans ce magnifique restaurant étaient émues sur les deux sens, le goût et l'ouïe, de ce mélange et ces émotions qui circulent entre le goût et l'ouïe. C'était... Un beau moment, j'ai vu des personnes les larmes aux yeux aussi l'an dernier, qui étaient dans les qui dînaient, qui déjeunaient, et d'entendre les musiques, de goûter des choses confectionnées par Benoît Vidal. Et cette année, Benoît, il invente les plats en fonction de la musique. Ça, c'est une grande nouveauté. Bah, j'allais vous demander si c'était pas l'inverse, si c'était pas les œuvres choisies en fonction du repas. L'an dernier, nous avons choisi les œuvres en fonction du repas. Et cette année, il a absolument voulu. Il est en train d'inventer, là. C'est pour ça que ça va être une sorte de surprise et de choses inattendues. Je lui ai envoyé le nom des œuvres et il peut les écouter. Et il est en train de confectionner les plats d'après les œuvres musicales. Ce qui est une autre démarche, évidemment. Donc c'est un petit peu comme un mets et vins, mais là c'est mets et musique. Mets et musique, absolument. Eh bien, merci beaucoup, Annelise Gastaldi, d'être venue nous présenter ce programme très complet pour cet opus de janvier de Classique Aval. On se retrouve toute la semaine en l'église et lors des offs. Bon festival. Merci.